d'entente nationale frein, eh ben, que ou même nous avons signature en bas note là qui écrit, et j'en ai déjà dit, le président de la Haute Cour de justice kenyan, eh ben, sous demande pour refus de déploiement des forces kenyan en Haïti, et qui n'actualité a qui font pile remous, pile moun a parlé de qui ça bagaille, faut-il bien c'est ou même qui t'a expliqué nous, qui ça question a yé, qui ça nous doit comprendre, qui sont qu'a dit population sous démarche ça, matin en amico vérité. Bon, je pense que la responsabilité on est qui dit son leader politique lié, c'est garder pour voir comment le politique pays dans sa lia. Et nous prenons 4 occupations et militaires et de 94 à nos jours. Il va utiliser le pays à rien. Amérique envahi, occupé le pays d'Haïti depuis combien de temps? Et puis après un an, quand on dérapé, le pays a vu plus mal. Donc ça n'a pas cherché nous-mêmes, c'est solution durable. Oui, moi j'aime des îles déjà. Et nous écrit, et c'est pas moi-même, c'est l'équipe là, et moi-même, c'est moi qui signe. Et nous écrit la justice kenyenne, nous écrit OEA, Organisation des États américains. OEA également. Nous écrit l'ONU. Okay. Et nous écrit États-Unis, nous voyons pour le Congrès américain. Nous voyons pour la Russie, nous voyons pour la Chine, nous voyons pour l'Union africaine, pour nous dire et dénoncer qui ça États-Unis d'Amérique a essayé de faire en Haïti, a fait en Haïti. Okay. Et qui vient tourner en frein. Pour développement pays. Donc là nous clair, alors des débats qui clairement dit m'pa connais ou ka énumérer quelques bail rapide pour nous là pour mieux capi bien comprendre, débats que nous dénoncer clairement à nous gens dit là adressé à ces institutions. Bon, premièrement, yo vont en mission multinationale qui va même en mission onusienne. Ça veut dire qu'on série de réclames, on va pas réclamer. L'exemple qu'on a vu là, il a crasé, il a brisé, il n'y a pas aucun cadre légal. Deuxièmement, les gens qui sont invités dans le pays, il n'y a pas président public, il n'y a pas de responsabilité. Ça. C'était Ariel Henry qui est ton premier ministre. Il n'y a pas de chef de l'État. Donc, loi internationale claire. Donc, Ariel Henry n'a pas aucune capacité légale pour inviter les troupes étrangères à rentrer dans le pays. Pas de cadre légal. Non, il va gagner qu'un an légalement. Deux ans. Le droit pour inviter troupes étrangères dans le pays. Et tout ça, qui ça a fait? Pas de monde qui a bien fait. Pas de monde qui est sûr de qui ça a bien fait. Tant aujourd'hui, il y a des sécurité dans le pays. Tant aujourd'hui, non, il y a même bien là pour venir protéger l'aéroport et pour venir protéger l'ambassade par le ministère, par le national, rien sérieux qui va bien faire pour venir des populations. Et sous ça, sénateur, j'ai l'impression, même le conseil présidentiel qui est là, pas qu'il y ait contrôle sur ce là. Dernièrement, il y a des informations que tu as partagées ici. J'ai l'impression, même le si Voltaire, il y a un conseil qui est descendu en bas, c'est accès que tu as besoin pour le garder. C'est un accès pour le balayer, pour le garder, pour le connaître ce qui a passé dans la base là, comment la base a construit. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrôle ni information de ce qui a réglé en réalité. Non, ce sont des ordres total et tout le monde connaît que l'intervention force ça la vine là seulement pour venir défendre intérêt oligarque haïtien et intérêt ambassade américaine. C'est pas rien que l'on vient faire. D'ailleurs, après, comment il pouvoir mettre en place là, c'est l'ambassade américaine même qui fait le coup de la lame, quoi qu'il y a blédé. Tout le monde voit que c'est sous pression américaine que pouvoir ça, que c'est conseil 9 membres, que c'est premier ministre là. Tout le monde connaît que le premier ministre, il était premier ministre, il a retiré. Pour question, c'est IRH, COB qui ont été débloqués et pour reconstruction Haïti, et que ont été famille Clinton, c'est lui qui représente l'intérêt, ils ont été mal passés, en pile, ils ont été même accusés, d'ailleurs, ils ont eu un mandat d'ailleurs pour ça. C'est le 16 mai avant là, pour le cas rentrer en Haïti, ils ont retiré le mandat. On parlait de Gary Conille. Gary Conille, 16 mai qui sont passés là, que pour le cas venir là, premier ministre, il y exigeait qu'ils retirent le mandat, et ils ont retiré le mandat, immédiatement. Donc, pas un monde qui. Égaré, même l'autre de dernièrement, soi-disant en discussion entre CP et Premier ministre, son bluff. Tous deux gagnent même mettre. Tous deux gagnent même mettre. Oui, tous deux entités gagnent même mettre. Tous deux travaillent pour le même monde. Celle ça a voulu faire, c'est piller Haïti et puis craser VIA. Donc, moi, écrit l'être là, moi, écrit l'être là, en responsabilité, et à qui équipe moi, pour nous dénoncer bagaille, pour nous demander, pour nous bannir. D'ailleurs, il y a déjà 2500 militaires. Or, nous avons plus que combien? 100. 1000 jeunes haïtiens qui t'a aimé rentrer dans l'armée, qui t'a aimé servir pays. Nous gontions pour l'armée d'Haïti. Dans l'être à nous écrit lui, nous disons pour qu'il ne soit pas renforcé l'armée d'Haïti avec police nationale, à comme ça qu'il a bien dépensé pour équipe nègre, c'est boué, a bien boué, violer le monde, bail choléra, bail maladie, et puis tourner la caillou. Donc moi, dis
pour qui ça, yo pas investi avec l'agent ça, pour yo faire l'armée dans vin jam, pour yo faire police nous en vin jam, bay nèg yo formation, équipe nèg yo, pour nèg yo même yo cap faire face à criminalité que Haïti a vive et jodi là. Donc c'est ça nous dit nous expliquer yo maintenant pour dépenser avec comme ça notre cap bon l'armée sérieux dans le pays, avec comme ça, nous avons une police nationale bien équipée, bien entraînée, qui a aidé nous à jouer une solution de façon durable à problème d'insécurité. Ça nous devons connaître, sénateur, et monsieur, c'est à quoi comme pas nous pour nous faire, pour nous renforcer la police par nous, pour nous renforcer l'armée par nous, parce que monsieur, ça va pas nous comme pour nous renforcer. Vous mettez habitué à prendre un cobla pour faire force vini, mais si nous avons besoin de sécurité, c'est comme pas nous. Pour nous renforcer la police, pour nous renforcer l'armée d'Haïti. Non, nous pas qu'à faire tout. Même si. Mais son pays n'a pas fait. Est-ce que vous pensez que les Kenya vont venir là, ils vont aller dans le corridor, ils vont venir battre pour nous, non, pas du tout. Tout côté, pour bonne sécurité pour nous. Ils vont pas venir faire. Non. Il faut que nous ne pas mettre nos mentir. Nous avons l'armée, nous avons les jeunes, nous avons la police, nous avons les entraîner, encadrer, équiper, payer bien. Parce qu'on l'État, si vous voulez la sécurité, il faut investir pour la sécurité. Par contre, par contre, si tel fois qu'on t'a abordé ce dossier, ça, d'après le moine Bruno, bon, c'est pas de, bon, qui clair devant nous, et comme si mandat France Agrel est presque fini, tout même, pas pendant beaucoup, même commencer là, non? Eh bien, mandat la fini, hein, c'est pour un an, yo débat, mandat. La fini en juillet, là. Pas tellement pour rentrer. Il faut qu'on rentre, mandat, il va fini. Bon, l'autre cop va le débloquer encore. So, attendez. Ah, et comme l'a déjà fait. Comme l'a fait. Pour nous comprendre le problème, non? Parce que moi écrit, et moi voyez plusieurs lettres, c'est pas seule lettre, moi voyez pour payer ça. Ok. Problème Haïti, c'est un problème social lié. C'est la misère qui l'a gagné dans sa nia, là. Base la misère, c'est corruption. C'est mauvaise gouvernance. C'est ingérence américaine dans l'affaire interne pays d'Haïti. C'est eux qui mènent et qui mènent côté de là qui viennent vivre le problème. Nous n'avons pas prendre problème de sécurité là, pour question seulement que la police va faire travail, l'armée travaille, après faire travail. Tout autant, nous n'avons pas fait ça pour nous faire, pour nous résoudre le problème social. Nous avons toujours joué un problème ça. Et la police avec l'armée d'Haïti a toujours tout le temps à éteindre du feu. Faut que le gouvernement, faut que les dirigeants suspendent corrompus, faut que suspendent voler comme pays, faut que investissent. Alors, sous ça, on parle à la grand pile contradiction sous les. Alors, sous opinion par là, sous question et amnistie, il y a mon qui clairement, chaque fois on parle de ok, on dit même yo deal, c'est Guy Philippe a demandé amnistie pour gang. Ou qu'on réponse claire au cabaye sous dossier ça? Mon cher, chaque fois les gueules se crasent en pays, volent en pays, détruisent en pays, occupent en pays, ils ont toujours joint un secteur dans la presse qui c'est presse mensonge, presse cabaye menti, presque cap travail pour eux. Et puis, même pour bombarder le monde. Ils ont créé une situation là, je dis là, pour nous joindre Haïti que nous gagnons là. Pas parce que c'est par hasard pour que nous gagnions toutes les âmes dans la main, dans la zone défavorisée. Côté où je encore une fois, qui est-ce qui baille? Côté où je côté où je pour acheter les âmes. Côté où je pour acheter les munitions. Comme mon pays, les États-Unis, fait quitter toutes les âmes, toutes les munitions, sont sorties la Kali, sans qu'ils ne soient pas contrôlés. Première puissance dans le monde. Donc, il faut que nous posions des questions bien. Donc, l'homme parle de amnistie. Autant de nègres ont parlé, oui, Guy Philippe, c'est amnistie. Oui, moi, dis-moi. Et me camper derrière samedi, pour nous jouer une stabilité. Oui, pour nous jouer une stabilité. Pour nous jouer une tranquillité, il faut qu'il y ait amnistie qui baille. Et amnistie qui offre. Et amnistie qui a offert, ce n'est pas seulement pour délinquants à sa patte, mais pour délinquants à cravate. Tout. Et surtout pour délinquants à cravate, parce que c'est délinquants à cravate qui baille délinquants à sa patte. Donc si nous voulons vivre pour nous mettre sécurité, stabilité, pour tout risque à rentrer dans le pays, pour les gens qui viennent investir dans le pays, pour les Haïtiens qui vivent à l'étranger, qui rêvent de retourner dans le pays, qui viennent dans le pays, nous même faut créer un environnement comme l'État, faut créer conditions pour les gens qui viennent vivre dans le pays, viennent faire tourisme, viennent investir dans le pays. Alors là, dans la question amnistie, il y a un chapitre qui est extrêmement important. On a parlé de surtout et commission, on parlait de ça également, justice et de vérité. Ça sont gros lots parce que pour le monde, alors, il n'y a pas qu'à parler d'amnistie, c'est que nous pas garder le système judiciaire que nous avons là pour ne pas remettre en question pour une justice qui est correcte tout d'abord. Moi, j'entends des gens qui parlent d'amnistie, qui disent que Philippe dit que l'amnistie est gang, Guy Philippe dit c'est la gang qui a réglé. Et ça, nous avons payé pour vous remonter. Vous bien connaît que l'homme parle d'amnistie, il dit y a plusieurs points. Il y a une commission vérité. Pour nous venir pour dire mais ça me fait venir accepter tout le fait et nation. Il y a justice là. Après il y a considération pour nous, on pardon
et après elle vient réinsertion dans société a. Et ça c'est trois quatre pays qui fait et ont des problèmes graves tant que nous tant que Afrique du Sud même États-Unis sont fait là dans années 80 ou là tout côté a fait Colombie sont fait là avec président Santos République Dominicaine fait avec Juan Antonio Guzman qui débat Boroni Quintanueva tout côté a fait mais haïtien lui-même li bien qu'on est que Amnesty m'a parlé à c'est pour tout le monde pour nous cap réconcilier pays à pour nous cap mettre base pour nous faire une conférence nationale souveraine pour nous faire un dialogue national pour nous jouer Haïti besoin mais il y a monté tout problème là sénateur il y a brisé tout problème là et dans commission oui parce que les mecs là réfléchir dit quatre commissions pour mettre vérité pour mettre lumière sur moi que bagarre qui va arriver à il va arriver à atteindre c'est commission en pile fois des groupes mais aussi situation Amnesty là mais ça les gars pas comprendre tout nèg qui fait commission justice là avec vérité hein yo pensé que yo cap tout temps à cabrer la justice parce que yo gagne appui États-Unis c'est sous l'ordre ambassade a fait toutes des autres ça non peuple a joigne yo il a jugé yo il a condamné yo parce que yo fait payer trop tôt si jodi a là nous gagne toute jeune ça dans ghetto qui examen dans main yo c'est parce que chaque grand ministre nous chaque grand premier ministre nous chaque grand président quitté ambassade a joigne en tête yo ou bien par yo tellement aimé l'argent, yo volé tout ça qui rentre dans le pays qui pourta permettre nous mettre base pour une société plus juste, qui plus égalitaire. Yo pas mettre l'école, yo pas mettre travail, yo pas créer aucune condition pour agriculture dans vie en réalité pour nous tab bay peuple nous manger, peuple nous lever par contre comment il a dormi, j'ai qu'à soit jeune femme nous a marcher dans la rue chaque jour par contre qui j'en veux faire, madame ou obligé à prostituer tête li pour le bon manger, nèg yo penser que son bagage facile en rapide parle de morale oui haïtien même si bagay yo dit haïtien pas qu'on fait ça non haïtien a fait tout peuple a fait la misère a vin extrême et seul genre pour nous changer c'est pour nous combattre corruption pour tout bon faut que nous arrêter juger vagabond voler tout comme pays que dans Petro-Caribé que l'entremblement de terre que comme nous qu'on rentre chaque année pour dans ministère n'a bail pour faire route pour faire l'hôpital que voler assassin président Jovenel yo faut que nous arrêter yo vrai assassin yo Justice de ça coule net en réalité justice pour président Jovenel a fait venir donner en réalité faut que États-Unis revoyer nèg nous que le prend là là avec aux États-Unis en Haïti pour une justice sérieux tendre et juger comment pour nèg venir assassiner tout le président j'ai autour là yo dit oui justice ça c'est États-Unis appel et quand États-Unis viennent tourner nèg là et fin tendre yo il dit et secret d'état donc nous pas même qu'on connaît qui moque tout l'emploi faut que ça suspend Haïti son pays souverain lui donc tout bagay sa yo faut que suspend faut que suspend donc moi c'est ça fait moi dit amnistie hein li obligatoire dans amnistie a bien justice pour moun par exemple qui victime yo moun qui obligé qui détail yo donc jugement fait correctement moun oui jugement fait amnistie pas veut dire on joue bon décret ou libre tout soit fait et a bien jugement non y a pas tando premièrement pour qu'il y ait une amnistie faut accepter tout faire faut dire oui me fait ça et bah vérité faut expliquer comment on fait qui est-ce qui font faire? Qui est-ce qui dit amour? Qui est-ce qui bon zam? N'est-ce que c'est parce que vous connaissez ça, amis, si vous voulez dire réellement? Qui fait qu'on est au pèle comme ça? C'est la blague de là. Oui. Oh, c'est ça qui fait au pèle comme ça. Vous connaissez, vous volez un paquet de cobs, vous mettez la République Dominicaine, vous avez acheté un appartement en République Dominicaine, États-Unis, c'est l'aménageur à vivre, c'est la business. Vous connaissez un programme ça, vous avez fait comme ça, il a retourné dans la caisse Haïti pour nous payer, pour faire route, pour nous électrifier le pays. Tant une action d'abdou y a vos piles nèg Kenya ici pour paquet de cob qui va venir faire un pour ça va aider une fini et pour programme président Jovenel pour électrifier pays pour ça on va faire plus usine asphalte aider nous faire bagarre président Jovenel le président Jovenel venir donner réalité vrai pour les populations pour ça va aider une freiner exode rural là pour nous créer pour nous créer